Monsieur. Bonjour. C'est Moussa Rachidi, directeur du journal d'Al Jazeera au Maroc. Je voudrais que vous présentiez pour les Marocains. Eh bien, avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Raphaël de Bormann. Je représente la start-up Panorami. C'est une toute jeune entreprise qui a été mandatée ici par la ville de Bruxelles pour mettre en place un dispositif de selfie panoramique. Donc, l'idée. Eh oui, pardon. Pourquoi vous faites cette... comment vous dirais-je ? Selfie panoramique. Selfie panoramique. Pourquoi le faites ici à Bruxelles ? Alors, l'idée du selfie panoramique, c'est de profiter du phénomène selfie. Donc, les gens ont complètement changé la façon dont ils font des photos sur un lieu touristique. Et ici, le selfie panoramique permet d'avoir au final une vidéo qui va dézoomer de votre selfie pour offrir un point de vue complet sur le site de l'Atomium. L'idée, c'est de se servir de ces selfies pour partager une image positive de la ville de Bruxelles. Vous savez qu'on était ici à Bruxelles touché par une série d'attentats. Donc, on a besoin de véhiculer une image positive de Bruxelles. Vous le voyez, vous êtes ici, il fait bon vivre. Et c'est ça qu'on veut communiquer au travers de cette action. D'accord, merci. Et est-ce que vous avez déjà visité le Maroc ? À titre personnel, j'ai déjà visité le Maroc. C'est un pays que j'aime beaucoup. Et je pense qu'on a aussi des choses fantastiques à faire au Maroc. Comment vous trouvez le Maroc Je le trouve plus chaud que la Belgique, ça c'est sûr. Et très accueillant. Merci.